Bonjour, alors dans cette vidéo on va, ce qu'on va faire c'est écrire les nombres de 0 à 100. Mais bon on va pas le faire comme ça tout bêtement hein, en, en les écrivant les uns à la suite des autres, on va le faire d'une manière intéressante pour essayer de, de comprendre un petit peu euh, comment est-ce qu'on écrit les nombres, pourquoi est-ce qu'on les écrit comme ça. Alors, bon je vais commencer par écrire les nombres à partir de 0, hein. donc j'ai d'abord 0, ensuite j'ai 1, ensuite j'ai 2, ensuite j'ai 3. Ensuite, j'ai 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Alors évidemment, bon, tu sais comme moi que le nombre qui vient juste après 9, c'est 10. Hein. Alors je pourrais écrire 10 et continuer comme ça. Mais ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais copier ces nombres que j'ai écrits ici. Je vais, je vais copier cette ligne-là. Voilà. Et puis je vais la coller en dessous. Voilà, je la colle ici. Voilà. Alors... Comment est-ce que je peux me servir de cette deuxième ligne qui est exactement la même que la première ben En fait, ce que je vais faire, c'est que je, je vais, si je, je pars de 0, je compte. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis ce qu'on a dit, c'est qu'après 9, c'est 10. Donc 10, comment ça s'écrit ben, C'est un 1 avec un 0. Un 1 suivi d'un 0. Donc en fait, ce que je vais faire, ici, je vais me servir de 0, mais je vais rajouter un 1 devant. Voilà, là, j'ai un 10. Et puis juste après 10, c'est 11. Et 11, c'est un 1 suivi d'un 1. Et puis 12. Et 12, ça s'écrit avec un 1 suivi d'un 2. Ensuite, j'ai 13. Donc 13, c'est comme tout à l'heure, c'est un 1 avec un 3 suivi d'un 3. Donc je vais rajouter un 1 ici. 14, c'est comme ça, 1 et 4. 15, c'est 1 et 5. 16, c'est un 1 avec un 6. Ensuite, j'ai 17, 18. 19, Voilà, tu vois là, en fait, je me suis servi de cette première ligne, je l'ai copiée, et en fait, j'ai rajouté ce, ce 1 partout en violet devant, et ça m'a donné 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc ça m'a donné tous les nombres qui sont compris entre 10 et 19. Voilà, donc ça c'est quand même assez intéressant, on a écrit beaucoup plus rapidement. Et en fait, c'est parce que ce 1 qui est ici en violet, ben, en fait, il vaut 10. Donc quand tu regardes 11, tu peux le voir comme 10 plus 1. 12, tu peux le voir comme 10 plus 2, et puis 13, c'est 10 plus 3, 14, c'est 10 plus 4, et ainsi de suite. 15, c'est 10 plus 5, 16, c'est 10 plus 6, 17, c'est 10 plus 7, 18, c'est 10 plus 8, et 19, c'est 10 plus 9. Voilà. Alors là, peut-être que tu vois déjà quelque chose qui, qui arrive, hein. peut-être que ça t'aide à comprendre un peu comment on va continuer à écrire ces nombres, mais ce que je vais faire, là, je vais continuer avec ma première ligne que j'avais copiée, je vais la coller en dessous. Voilà, alors je vais la déplacer, je vais la mettre en dessous de, des autres. Voilà, comme ça. Et donc, euh, bon, je vais continuer à compter à partir d'ici. Hein. J'avais 17, 18, 19, et je sais que le nombre qui vient juste après 19, bah, c'est 20. Donc ici, ce nombre-là, ça doit être 20. Alors 20, euh, comme moi, tu sais que ça s'écrit avec un 2 suivi d'un 0. Alors voilà, là j'ai écrit 20, et puis le nombre qui vient juste après, c'est 21, qui s'écrit avec un 2 suivi d'un 1. 22, ça s'écrit avec un 2 suivi d'un 2. 23, c'est un 2 suivi d'un 3. 24, c'est un 2 suivi d'un 4. 25, 26, 27, 28, 29. Voilà. Alors là, comme tout à l'heure, hein, là, j'avais écrit, dans cette ligne-là, j'ai écrit tous les nombres qui vont de 10 à 19 en simplement en rajoutant un 1 en violet. Dans cette ligne-là, j'ai écrit tous les, les nombres qui vont de 20 à... Jusqu'à 29, tous les nombres compris entre 20 et 29. Et j'ai fait ça simplement en gardant la première ligne et en rajoutant un 2 devant, devant chaque nombre. Et là, c'est comme tout à l'heure. Hein. 20, tu peux le voir comme. Ce 2 qui est là, c'est 20 en fait. Hein. Donc quand, quand j'écris ça, c'est 20 plus 0, ça me donne 20. Ici, j'écris 20 plus 1, ce qui, est, ce qui veut dire 21. Là, j'ai 20 plus 2, ça veut dire 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Donc voilà, là, je pense que tu arrives à, à voir comment est-ce qu'on va construire la, la ligne suivante. Hein. En fait, ça va être la ligne des, des nombres qui sont dans les 30. Alors, je vais faire comme tout à l'heure, je vais coller la première ligne en dessous. Je la mets ici. Et donc, dans cette ligne-là, ça commence après 29. Donc, après 29, c'est 30. Et 30, ben, je sais que c'est un 3 suivi d'un 0. Donc voilà, là j'ai écrit 30, j'ai rajouté un 3 devant le 0. Ici je vais rajouter un 3 aussi, hein, puisque c'est 31, donc c'est un 3 avec un 1. Là je vais rajouter un 3, ça fait 32. Là j'ai 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Voilà. Et donc là j'ai écrit tous les nombres entre 30 et 39. Et j'ai fait ça tout simplement en rajoutant un 3 devant le nombre qui était déjà écrit. En fait, dans toutes les lignes qui sont là, les, les nombres en jaune sont tous euh, sont identiques. Hein. Dans, dans chaque ligne ici, j'ai à chaque fois un 0. Là, j'ai à chaque fois un 1. Là, j'ai à chaque fois un 2. Et ainsi de suite. Ce qui change, c'est le nombre que j'ai rajouté devant. Dans la ligne ici, qui va de 10 à 19, j'ai rajouté un 1. Dans la ligne des nombres en 20, euh, donc de 20 à 29, j'ai rajouté un 2. Dans la ligne. Euh, pour les nombres de 30 à 39, j'ai rajouté un 3. Et alors, on va essayer de continuer. En hein. vais... fait, on va aller encore un petit peu plus vite. Je vais copier plusieurs fois la première ligne. Alors, je vais la copier déjà une fois. Voilà, donc ça, ça va être la ligne des nombres qui vont de 40 à 49. Ensuite, je vais recopier encore une ligne. Voilà, ça, c'est la ligne des nombres qui vont aller de 50 à 59. Je continue. Ça, c'est la ligne des nombres qui vont aller de 60 à 69. Je vais continuer. Là, j'ai la ligne des nombres qui vont aller de 70 à 79. Et puis ça, c'est la ligne des nombres qui vont aller de 80 à 89. Voilà. Je vais en rajouter encore une. Celle-là. Et ça, c'est la ligne des nombres qui vont aller de 90 à 99. Alors... Maintenant, je vais essayer de remplir ça encore plus vite que tout à l'heure, c'est-à-dire que je ne vais pas fonctionner de ligne en ligne. En fait, ce que je vais faire, c'est partir d'ici, hein, de cette première colonne-là. Alors, cette ligne-là, c'est la ligne des nombres qui vont euh, entre 40 et 49, donc c'est tous les nombres qui commencent par un 4. Voilà, donc je vais mettre un 4 ici. Alors, c'est bien ça, hein. ce 4 vaut 40, donc ici, j'ai 40 plus 0, ça fait bien 40. En dessous, c'est la ligne des nombres qui vont de 50 à 59. Donc c'est tous les nombres qui commencent par un 5, donc je vais mettre un 5 ici. Là, c'est la ligne des nombres qui vont de 60 à 69, donc c'est tous les nombres qui vont commencer par un 6, je vais mettre un 6 ici. La ligne du dessous, c'est les nombres qui vont de 70 à 79, donc cela, c'est les nombres qui vont commencer par un 7, donc je vais mettre un 7 ici. Voilà. Je commence à avoir un peu de mal à choisir des couleurs qui sont différentes. En dessous, c'est la ligne des, des nombres entre 80 et 89 qui commencent tous par un, un 8. Donc là, je vais mettre un 8. Voilà. Et puis, enfin, la dernière ligne, c'est la, la ligne des nombres qui, qui vont entre 90 et 99. Donc c'est tous les nombres qui commencent par un 9. Donc je vais mettre ici un 9. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais copier cette, euh, ces nombres-là. Tout cela, là. Et je vais les replacer dans les colonnes d'à côté. Hein. Alors je fais ça. Voilà, ça, je le place ici. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'après 40, ben, j'ai 41. Effectivement, 40, ce 4 qui est là vaut 40. Donc j'ai 40 plus 1, ça fait 41. En dessous, ben, j'ai le nombre qui vient juste après 50, c'est 51. Donc c'est 50 plus 1. En dessous, j'ai le nombre qui vient juste après 60. Donc c'est 61. 60 plus 1. Là, j'ai 71 qui vient juste après 70, donc c'est 70 plus 1. Et puis, 4 et puis ici, c'est le nombre 81 qui vient juste après 80. Et là, enfin, la dernière ligne, j'ai le nombre qui, va, qui vient juste après 90, qui est donc 91. C'est un 9 et un 1. C'est 90 plus 1. Voilà. Alors, je vais continuer pour remplir les colonnes qui restent. Je vais aller un peu plus vite. Voilà, ça, je le place ici. Là, je vais le placer ici. Ensuite, je continue, je place ça là, puis je continue encore, voilà, et je continue, je remplis cette colonne là, je continue là, voilà, il me reste encore ces deux colonnes, donc je vais rajouter ici ces nombres là, voilà, ces chiffres là plutôt, ensuite, la dernière colonne, la voilà. Voilà, alors là j'ai complété en fait, hein, mais je l'ai fait beaucoup plus vite que si on avait euh, euh, compté simplement en écrivant tous les nombres les uns après les autres. Là j'ai vraiment euh, été beaucoup plus rapide. Alors ce qu'on voit ici c'est que quand je suis dans cette colonne là par exemple, je compte en fait de 10 en 10. Hein. J'ai 3, ensuite je rajoute une dizaine, ça fait 13. Là j'ai...

Cette ligne-là, ça va être tous les nombres qui vont entre 80 et 89. Donc 80, c'est 8 et 0. Là, j'ai 81, c'est 80 plus 1, donc je mets un 8 et un 1. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Et puis la ligne du dessous, c'est la ligne des nombres qui vont entre 90 et 99, donc ils commencent tous par un 9. Et ensuite, on, on augmente le nombre, le, le nombre de droite de 1 à chaque fois, donc 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Voilà, je pense que c'est intéressant de regarder ça parce qu'on voit bien ce qui se passe et comment. On voit bien comment est-ce qu'on écrit les nombres finalement. Alors on avait dit qu'on comptait de 0 à 100, ici je suis allé jusqu'à 99. Alors pour écrire le 100, en fait ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre ici. 100 c'est le nombre qui vient juste après 100, donc je vais me mettre là. Et puis euh, je vais rajouter ici devant... En fait un 10, et donc là tu vois que ça continue à marcher. Enfin, ce que le système qu'on a mis en place continue à marcher, puisque là on a on avait dit que à chaque fois on augmentait d'une dizaine. On passe là, on a une dizaine, deux dizaines, trois dizaines, quatre dizaines, cinq dizaines, six dizaines, sept dizaines, huit dizaines, neuf dizaines, et puis là on a dix dizaines, et on passe dans la ligne des 100 que tu pourrais continuer à remplir si tu veux de la même manière. Voilà.